maintenant. Oui, 5,80€. Tout avant ça, et ben oui, on en parlait. Voici le clash de la drague. Les deux plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur l'antenne de Skyrock. Et tous les coups sont permis pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. D'un côté, Romano. De l'autre, Cédric. Bah, Cédric, c'est moi, le seul. Ouais, le beau gosse. C'est la drague. Et voilà. Et j'ai la gastro. Et musique de love maintenant. Oh, dégueulasse. Alors, c'est la méthode gastro, ouais. Ouais, gastro, ouais. Ça, c'est pour Romano. Romano égale gastro ce soir. Et Cédric? Moi, c'est la journée mondiale de l'orgasme de. L'orgasme? De quoi? Non, t'as dit quoi? Ben, je vais faire jour des femmes, gros. De l'orgasme. D'accord. De l'orgasme. C'est la journée de l'orgasme. C'est ce que j'avais entendu, gros. Mais tu galères un peu, non? Non, du tout. C'est la journée de l'orgasme. Non, c'est la journée mondiale de l'orgasme et je vais faire jouer les femmes parce que je suis sûr qu'elles n'ont jamais kiffé. Romano, il fait la glace une fois. La glace trou, ouais. L'orglast contre la glace trou. C'est ça, c'est les méthodes de soir. Qui va gagner ce soir? Vous pouvez encourager vos clasheurs, ils adorent recevoir vos messages pendant qu'ils sont en train de passer des coups de fil. Ça les encourage. C'est parti pour Cédric, on y va pour la première famille. Allez, vas-y. On y va pour. Qui? Je vous aime. Eddy. Je vous aime. Oh, arrête ton baratin là. Eddy. Je vous aime. Tu peux arrêter ton baratin un peu? I love you, my team. C'est pas sincère, ça. Oui, allô. Allô, Eddie, comment ça va? C'est qui? Ben, je me présente, je m'appelle Michel. Et je t'appelle, là, parce que ce week-end, là, il y a la journée mondiale de l'orgasme qui est organisée. Et je me suis dit, bon, ben, ça serait... Mais tu sais quoi? Tu vas être enculé. Ben, justement, c'est je t'appelle pour ça. Et justement, ouais, je voulais en faire profiter... Ben, je voulais en faire profiter à ta femme. Mais tu sais quoi? Ouais. Tu me dis où c'est que t'es, et puis j'arrive, et je t'attrape, mais crois-moi que je te mets des... Mais vas-y. Mais je vais arriver chez toi. Non mais je vais venir chez toi, c'est plus simple. Ouais, c'est bien. Et vas-y, puis comme ça, t'as quand? Non mais là dans 5-10 minutes si tu veux, comme ouais, ça j'en fais. Mais il y a pas de problème, je descends. Bah ouais, pas de suite. Mais ce que je voulais faire, c'est que je voulais en faire profiter aussi ta femme parce qu'elle m'a dit qu'on elle m'a confié la fois qu'elle avait jamais pris plaisir. Viens. Histoire de dire qu'une fois dans ça. Mais par exemple, c'est pas si t'as pas que de la gueule. Ouais non mais imagine toi, mais faut pas avoir que de la gueule. Mais faut venir directement ici. En plus là, je commence à avoir une érection là. C'est vrai? Ah ouais. Moi aussi, là, comment que je vais t'enculer? Ah bah ça va être bon ça. Ah vas-y, viens. Et puis après, on fera jouer ta femme aussi. Ouais, y'a pas de problème. Je ferai une démo. Partage, moi, je suis pas jaloux, moi. Non, mais ce que je fais, c'est que je te ferai une démo parce qu'apparemment, elle a jamais kiffé dans sa vie. C'est vrai? Bah au moins, pour ce week-end. Vas-y, mais viens. Je lui ferai son petit cadeau. De la bête, là. Bah j'arrive. Mais viens, on va. Dis-lui à la belle derrière de se préparer. Hein? Dis-lui à la belle derrière de se préparer, je l'entends. Ouais, y'a pas de problème, attends. Ah bah écoute, j'arrive dans 5 minutes alors, ouais, mon chéri. Vas-y, viens. Ah bah on va faire l'amour très fort, toi et moi. Vas-y, viens. J'arrive. Ouais. À tout de suite. Mais faut pas avoir que de la gueule, hein. Non, t'as de la vaseline au moins. Allô? Oui, mais vas-y, je t'écoute, là. T'as de la vaseline? Si. C'est vrai? Bah oui, pour que ça glisse. Mais par contre, viens. Ouais, j'arrive, promis, j'arrive. Mais pas que de la gueule, hein. Mais non, promis, juré, j'arrive. Ouais. Je raccroche et j'arrive tout de suite, d'accord? Ouais, mais faut pas avoir que de la gueule, faut pas avoir... Mais non, mon chéri, prends ton mal en patience, j'arrive dans 5 minutes, bisous. Ouais. J'arrive, à tout de suite. Je te ferai les fesses. Eh ouais, va me faire les fesses. Putain, voilà. Et j'ai plus envie de jouer. Eddy, il va me faire l'amour très très fort. Bravo, j'ai plus trop envie de jouer. Moi. Voilà. Quelle démonstration, Cédric la lavette. Ça sera ton nouveau surnom, hashtag... Si vous avez Twitter, Cédric Lalavette, on le met en top tweet mondial. Ouais, c'est ça. Après Cédric Ducon la semaine dernière, c'est Cédric Lalavette, un nouveau surnom, ça te va très bien, tu vois. Cédric c'est charmant. Lavette. Putain, mais impressionnant, Cédric. Ah, impressionnant. Limite, merci. Il t'a supplié. Ouais. Oui, putain, t'as c'est incroyable, ça. Espèce de quoi petite merde. Même Samy, il va voter pour moi. Vas-y, prépare donc des blagues. Je me prononce pas encore. Si c'est sur le même niveau qu'hier. Demain, il a le seum. Alors, non, mais de toute façon, moi je suis très malade donc je fais comme je peux. Hein. Allez, on s'en fout. Déjà, c'est déjà miraculeux que je sois venu. Okay. Oh là là, le hashtag Cédric Lalavette, c'est un carton. Hein. Maxou, Monsieur Tartampion. Tiens, même Monsieur Tartampion voit le hashtag Cédric Lalavette, c'est pour dire. Ouais. C'est qui là? Thierry. C'est pour toi. Allô, oui. Ouais, salut Thierry, comment vas-tu? Ça va bien, ta petite femme? Nickel? Oui. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous faites de beau ce soir là? Bah ce soir, on est en train de finir de manger, là. Ouais. Et puis après, vous avez quoi de prévu? Rien du tout. Ah bah je vais passer vous voir.
Oui, bah oui. Bah ouais, ouais, parce que j'ai une gastro, là, j'aurais besoin que tu me mettes un bouchon, là. Ouais, bien sûr. Ouais, et après, éventuellement, je ferai l'amour avec ta femme. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Des préservatifs, vous en avez ou je les amène? Non, il n'y a pas besoin. Y a on pas... a le sida tous les deux. Qu'est-ce que tu veux utiliser? Oh. La blague. Quoi? Ah, c'est pas marrant. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, mais ça, on a le sida tous les deux, je n'avais pas compris la blague, excuse-moi. Ça va, ça vient, D'accord. Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas compris la blague du sida, qui était très drôle. Comment on fait? Tu serais pas un peu branché sadomaso, parce que tu peux venir et puis je te défonce ta gueule aussi. Ouais, je crois que je vais venir tout de suite alors. Mais c'est une bonne idée. Je crois que ta femme va en prendre pour son grade aussi ce soir. Ben voilà, on n'a qu'à faire comme ça. Ouais, voilà, on fait tous l'amour et puis tu me marraves pendant l'amour, là. Tu me mets des petits coups voilà, de fouet et tout ça. Voilà, on va faire ça. Et faut te boucher ton trou aussi. Voilà, et tu me boucheras le trou hein, pour la gastro. Voilà, mais j'ai une batte de baseball, ça devrait rentrer. Ouais. Tu crois que ça ira? J'ai peur que ça soit encore un peu fin, moi. Bon, on fera non, des non, essais. Non, mais c'est une grosse, tu vas voir. Une grosse batte. Il y a marqué beefsteak dessus, elle est en alu, ça va rentrer tout seul. Ah bah nickel, ça bite. Ouais, et puis tu me mettras ta bite aussi. Non, je voudrais pas t'inoculer une maladie vénérienne. Ah, encore, t'es pas malade, toi. C'est dans le galère, le mec. Bon, ben, j'arrive très très vite, alors. Ok, ça marche, on t'attend. Tout de suite, merci, mon Thierry. Bisous. Ciao. Eh ben, voilà. Mais c'est une démo. Mais quel comique. C'est la folie. Salut, wow. Numéro spécial. Ah ouais, c'est mon glauque. Quand vous avez de la fièvre, ça vous donne. Le mec, il crache. On va t'inoculer une maladie vénérienne. Ouais. Oh là là. Et voilà. Hey, double serrage, un serrage pour Cédric, un serrage pour Romano. Bon bah moi ça sert. Ah mais le mec était plus excité moi. Ouais non bah attends tu rigoles, ah, mais t'es excité moi. Aussi, mais quand même une batte en alu. Ah ouais tu te prends une batte en plus oui. Ouais c'est ça, je fais l'amour à sa femme, je fais l'amour à lui, c'est magnifique. C'est pour ta gastro, c'est pour te boucher le cul. Ouais ouais bah c'est très important. Ah hein. Mais moi il n'en pouvait plus le mec, il arrêtait pas de m'attendre quoi, il était surexcité. Ouais mais là c'était ma prestation, tu vas pas nous rabâcher tout le même truc mon pote. C'est vrai que l'appel de Cédric il était mieux man. Ah ouais je dis ça. Qui c'est qui a dit ça? C'est Karim, du Karim Comedy. Je dis rien man. Comment tu trouves les blagues de Karim? C'est ancien Romano. À chier. Non, ça allez. D'ailleurs, je propose la suppression de cette chronique. Non, elles sont très bien ces blagues. Ah, t'as le belge d'habitude, il dit ouais, toujours. Il dit c'est de la merde. Voilà, c'est un chieux, moi tu sais que t'es pas drôle. Bah, fais plaisir à Cédric. Et comme il a été gentil avec toi, Karim, je propose quelques blagues sur Cédric tout à l'heure. Pas de problème, man. Vous pouvez en envoyer déjà tout de suite d'ailleurs. Bah, Cédric, t'as bien les blagues de Karim. Ouais, mais laisse-moi tranquille. Il peut te rendre hommage lui aussi. Bon, je vous ai trouvé super là sur le Clash de la Drague. On a fait un tour. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là? Ouais, bah ouais. Cédric, tu veux t'arrêter là? Romano, tu t'arrêtes là? Bah, moi, c'est comme il veut, hein, moi. Si non, y a pas de problème. S'il veut faire la baltringue et s'arrêter à un tour, il n'y a aucun souci. Non, mais on peut en faire toute la nuit si tu veux, moi, il n'y a pas de souci. Non, on peut choisir entre les deux, Cédric, tu vois, parce que toute la nuit, on a quand même d'autres trucs à faire, notamment Pamela qui arrive tout à l'heure. Ah oui, quand même, moi, je veux être Romano, en tout cas. Et puis vous accueillir sur Skyrock. Et Bon alors Cédric, t'es un bonhomme ou tu veux faire... Mais moi je suis un bonhomme, on fait un auto. Ah ouais, bah voilà, bonhomme. Ah bah putain, je t'ai supplié. Tu oses me dire ça quoi, non mais... Je suis mort de rire. Jean-Pierre. Allez Jean-Pierre. Regardez, il y a Team Romano qui laisse un message. Pas mal Cédric, mais Romano c'était encore plus fort. Il y a le message de Ram... Merci mon pote. Ralatouf. Là oui, Ralatouf. Qui nous dit... J'aime bien Cédric, mais Romano a assuré aussi. Là, il faut le dire. Merci. Ah, là, je suis un merci. Merci, ah, et merci à toi, l'ami. C'est bien. Je ne sais pas pour qui voter pour Adrien, là, sur SMS. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie. Bravo aux deux clasheurs. Jean-Luc. Bon, Jean-Luc, Cédric. Allez, on le fait en speed le deuxième tour et après, vous pourrez voter pour votre clasheur préféré. Allô ce soir. Allô, bonsoir. Oui. Ouais, est-ce que Jean-Luc est là, s'il te plaît? De la part de qui? C'est de la part de Michel. Michel, comment? Bah, c'est Michel, un de tes voisins. Je l'appelais pour la journée de dimanche, en fait. C'est Jean-Luc. Jean-Luc, comment vous demandez? Bah, Jean-Luc. Je sais pas, moi, il s'appelle Jean-Luc, non, ton mec? Allô? Je crois qu'il y a un souci, là. Non, mais je l'appelais par rapport à la journée de dimanche, là. T'es pas au courant, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Ok, d'accord. Bah, je t'appelais pour ton orgasme, ma chérie. Ok. Allô?
plus elle a Bean, elle regarde la télé. Bah ouais, c'est ce qu'on entendait. Cédric, c'est une famille de luxe, ils ont Bean. Ah ouais, bah qu'est-ce que tu crois. Il y a un mec avec un bonnet là qui. C'est sur le match, c'est fini d'ailleurs. La victoire des Lensois, voilà. Ils ont gagné 2-0, bravo les Lensois. C'était rigolo. Bravo les Lensois. Gâté sur ton. Ouais, je demande un rappel, tiens, allez. Ça s'est quand même gâté sur ton deuxième coup de fil. Allez, moi j'ai un rappel en stock de mercredi. Non, mais ça compte pas. Donc j'en fais deux. Donc j'échange les deux rappels contre un appel. Non, y a pas de cumul comme ça, gros. T'es sérieux, toi? On fait le rappel de Cédric et après on passe à ton coup de fil, Romano. Allez. Ce sera qui pour toi, Romano? Après, ça sera. Pour Romano, ça sera. Oui. Ça sera donc. Ça sera. Non, mais là, c'est Cédric. De toute façon. Romano, ça sera Jacques. Cédric qui est en train de se griller. Voilà, tranquille. Eh ben, on va passer à Jacques, Cédric. De toute façon, c'est pas étonnant. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie du. Et voilà, désolé. T'as vraiment qu'une vision du game. Jacques pour Romano. Un gros premier tour, comment t'étais mal après mon appel, je peux te dire que t'es moi le Mariole. Je t'ai refroidi aussi avec mon appel. C'est qui pété, toi. Jacques. Oui. Ouais, bonsoir, comment tu vas? Ça va bien. Et ta femme? Ouais, ça va aussi. Eh ben, ça va aussi. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau ce soir là? Eh ben, dodo. Eh ben, je vais venir dormir avec vous. Ah bah pourquoi pas. Ah bah voilà, je me mets entre vous deux, je lèche un peu la chatte à ta femme. Ouais, t'as que ça raconté, connard. Ouais, bah je vais arriver. Allez, casse-toi, pauvre con. J'arrive dans 5 minutes, moi. Non, ouais, casse-toi, pauvre con. Connard, ouais. Ah si, mais moi je vais me pointer. Eh, j'ai la gastro, j'aimerais que tu me bouches le fion. Ouais, t'as raison, allez. Ouais. Allez, je viens dans 5 minutes, moi. Ah non. Allô? Il t'a dit non. Ouais, c'est des gros cons. Des gros cons. C'est nous. Et nous. Allô? C'est des cons. Attends, vas-y, je prends mon rappel. Ah ouais, très bien. Bah oui, t'as le droit. Ah oui, t'as un rappel. Mais t'as acheté en l'air. Ouais, mais bon, au moins. Mais t'as rien fait, gros. Au moins de l'humour, de la rigolade. Mais c'est pas clash de l'humour, gros. De l'ambiance. De la drague. Non, mais ça fait pas de mal. Allez, rappel. Pourquoi sonne pas? Bah parce que le mec il a pas raccroché de son côté. Ah, alors vas-y, rappel, parce qu'il y a quand même un appel pour Romano. Eh ouais. Et dans un instant, je lance le top. Préparez vos déclarations. J'y tiens, mon rappel. Bah alors, t'as fait que de la merde à ton deuxième appel. Non, ça va, moi, il était marrant, moi, on a rigolé. Toi, c'était la déprime, mon pote. C'est des gros cons. Il était claqué, ton appel. C'est des gros cons. C'est des bruits de dinosaures, et après, il dit des gros cons. Oui. Ouais, c'est moi encore. C'est le gros con. C'est le gros con. Bon, bah, j'étais pour te dire vraiment que j'arrivais, là. Ouais, d'accord, pas de soucis. Voilà, et on va tous baiser. Ouais, t'as raison. Comme des chiens. Je crois que je vais téléphoner au flic en plus. Ah, tu crois qu'ils baiseront avec nous? Ouais, on sait jamais. Hein. Ouais, bah écoute, ouais, c'est pas mal, une petite partouze. Ouais, c'est bien, qu'ils prennent leur matraque. Hein. Ouais. Bon, bah je suis là dans 5 minutes, mon petit chéri. T'as raison. Hein, mon Jacouille? C'est Jacouille. Je vais oui. Et voilà, mon pote, c'est un âge. Et en plus, la police est invitée. C'est la folie. Il n'a rien fait, gros. Double serrage. Et pas de serrage. Cédric, t'es le seul à avoir passé un mauvais moment pendant le clash. Moi, je l'ai trouvé super, ce clash du vendredi. Mais il l'a pas serré, gros. Ah, bah si, si. Ah, si, il était bien, il était super, le clash. Ah, tu vois. Ouais, il était bien, le clash. Bravo. Et voilà. Mais il a pas serré, gros. J'adore le flash. Le mec, tu m'as dit qu'il pouvait venir, il appelle les flics pour faire la fête. Elle est encore là, ta famille. Allô? C'est le gros con, l'appareil. Ah oui, il est encore là. Mais bon, il s'en bat les couilles, gros. Il nous écoute jusqu'au bout, c'est fou. Même lui, il a droit. Bon, de toute façon, va falloir voter Romano. C'est le seul truc à faire ce soir, voter Romano. Deux appels de serrage. Romano. Deux serrages, gros, de mentir. Vous dites voter Romano. Cédric, tu dis de voter pour qui? Bah, je dis de voter pour moi, à ton avis. Alors, Cédric, si je marque un seul serrage, moi j'en ai fait deux. Mais t'as pas fait deux serrages, arrête de mentir. Cédric, si j'envoie un message et que j'écris moi dessus, c'est bon? Bah, non, t'écris Cédric. Ah, d'accord. Sinon, c'est que t'es un peu con. Cédric n'a fait qu'un serrage. Mais dis fou, il y a des problèmes des fois. Pour Romano, pour Cédric, votez Romano. Moi, je fais un big up à Kenza, à Yanis et à la team Le Belge. Ce soir, on mobilise les troupes et on vote Le Belge. C'est le DRIC. Monsieur Tartampion, moi, j'ai fait un vrai serrage, un bête de serrage au premier tour. Le mec, il était surexcité. Le mec, qui m'attendait, il était comme un ouf pour sa vote. Cédric, c'est le DRIC. L'autre, il raconte sa vie derrière, il a fait un vieux serrage. Votez Romano, j'ai fait deux serrages. Je vous aime très très fort. Romano, R.O.M.A.N.O. J'ai pas bien de mentir. En plus, je suis malade, j'ai la gastro. Ouais, c'est ça, on s'en bat. Je suis là pour vous, mes amours. Top vote, allez-y, au top là que vous avez entendu. Vous pouvez laisser vos messages, allez-y, sur le 41759, l'appli Skyrock, ça vote. Cédric le boss. Vote Romano. Message de. Allô, vote Cédric. Portugaise du 33, trop ouais, fort. Laisse tomber, hein, votez Romano. Tous les Portugais, votez Cédric. Cédric, t'aurais pas dû accepter le deuxième tour. Romano a tout déchiré, il va se faire sauter par les keufs. Message de Follow Me. C'est ça, t'as tout compris, mec. Mec, il se foutait de ça. Pour tout ça, votez Romano, R.O.M.A.N.O. Et dans un instant, sur Skyrock, le son de Soprano. On écoute Fresh Prince. Ah, ah, ah.
Soprano Fresh Prince. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Hier, on aura Julien dans un instant. Il veut se refaire une image. Parce qu'en fait, Julien, il a mauvaise image. On va voir auprès de qui. Si vous aussi, vous avez une image qui ne correspond pas vraiment à la réalité. Genre, par exemple, il y a des amis à vous qui disent que vous êtes chaud. Mais ça, c'est pas très agréable quand vous entendez ça, hein, Romano. Pas sympa. Ouais, ouais, mais bon, en même temps, c'est dur de le cacher maintenant. Ou alors, s'il y a des amis à vous qui disent que vous avez une odeur de paix en permanence. C'est moi. Eh bien, ça peut être désagréable. Vous avez une mauvaise image. Voilà, il pue le paix, votez Romano. Eh bien, Julien sera avec nous dans un instant. Et le vol du drone, Game of Drone. C'est juste après Soprano et Fresh Prince. Salut. Salut. Salut Guillaume. Salut Guillaume. Comment ça va Guillaume? Ah bah ça va. Ça va pas mal. Toi t'es en Alsace. Allez Romano pour le clash. Ah merci mon pote. Je voulais savoir pour qui ça vote en Alsace. Ça vote Romano. Et j'ai les résultats du clash à vous donner tout de suite. Tout de suite. Tout de suite là maintenant. Allez tout de suite là maintenant. Et on te retrouve dans un instant Guillaume. Tu bouges pas. D'accord. T'as voté Romano? Eh bien, sachez que les résultats de ce soir sont super, super serrés. Vous allez me dire, ils nous ont fait un super clash tous les deux. Serrage dans tous les sens. Ouais. Et 50,6% pour le gagnant. Ah ouais? Ah, c'est 49,4% pour le perdant. Qui a gagné le clash de ce soir? De toute façon, allez. Bon, un peu, j'ai perdu. De toute façon, vu la semaine de merde que j'ai passée, quoi. Bah, elle était bien cette semaine. Ah non, mais elle était bien, ouais. Les émissions, mais alors putain, la vie à côté, merci, quoi. Passer sa semaine à ça, à chier mou, à prendre du smecta, de l'imodium, à dégueuler, à. Et tout ça parce qu'il a passé une semaine dans les chiottes. C'est ouf ça quand même. Alors. Bah, c'est pas très agréable, hein. Non. 50,6. D'avoir mal au bide. Ah ouais, c'est ignoble. Le gagnant de ce soir est. Alors. Avec 50,6 contre 49,4. Il n'y a qu'un petit pour 100,2 d'avance pour celui qui gagne. C'est. Son prénom commence par une voyelle de l'alphabet. Ouais, après, il n'y a pas une consonne par hasard. Et non, Cédric. Voyelle. Ton prénom commence par une consonne. Mais t'es Cédric. Complètement débile. En pro, il y a une consonne. Mais t'es complètement débile. Ah oui, c'est définitif en fait. Écoutez-moi bien. Non, mais je t'écoute pas parce que tu dis que de la merde des fois. Bon, bah alors je vous annonce la victoire ce soir. puisque c'est comme ça, la victoire de Romano avec 50,6% voilà, des voix. Merci. Des suceurs. Merci. Je le baise, tiens Karim, je te baise aussi, t'étais pour le salope. In extremis, Karim. Merci, merci, merci public. C'était la carrière. Là, merci la team Romano, je vous aime très fort. Bonne fête de fin d'année. Vraiment, une année 2014, mais fantastique. Ah tu vois? Fantastique. Ah. Ça fait combien? 104 ou 105 victoires à 14? 104 il me semble. Bravo. Oh, on tape. Mais bravo aussi Cédric. Bah ouais, merci même si ce soir. Tu vois la team ressuscite ce soir. Bah ouais, grave. Eh. Eh ben je remercie quand même ma team. Merci à la team Le Belge de continuer. Même si ce soir il y avait trop de suceurs pour l'autre chauve en face là, je remercie quand même toute ma team. Non mais c'est normal que j'ai gagné gros, je fais deux serrages, je t'en ai fait qu'un. T'as pas serré gros. Ah mais c'était limite quand même. Bon ben voilà pour le clash, je range les résultats et puis merci pour tous les votes que vous avez laissés. Ah bah Cédric, ça voilà. Juste trop, putain, dommage ma gueule. Tu finis l'année comme tu l'as commencé, dans la loose. Fête de serrage. Et tout à l'heure Pamela arrive, elle sert pratiquement à tous les coups Pamela. T'as me dire avec les gars qu'on appelle pour Pamela, ils sont tellement chauds. Ah ils sont dans de bonnes conditions. Vous savez que c'est pratiquement les mecs les plus hot du monde. Ouais, ah ouais. Ils sont trop hot. Ah ouais, ça c'est clair. Bah tu t'es pas dit un jour qu'il aurait fait un